Et aujourd'hui, j'ai rien pour dire aux Congolais que Babilo, que les conteneurs, ils allaient déjà l'icolo et Amaï. D'ici décembre, Batouba Komona, Bat Thompson, Bat Soso, Bat Mipanzi, et Kokita, et Congolais, à Konya Nenga Lingi, selon la vision Oyo, quand on est tu sais que j'ai la vision, il y a le peuple et d'abord. Bien, nous à l'IDFS, Ngoïka, ça n'est pas de l'IDFS, mais c'est un citoyen congolais qui a droit de manifester parce que le droit de manifester est garanti par la Constitution. Ça, c'est un, il faut le dire. Ce qui bloque des expatriés, bah, le va poser la marche sur le 6. Ngoïka, ça j'entends que congolais. À le bipé, il faut soutenir le nouveau bureau de la CNU, le 6. Moi, je ne vois pas les mal. Il est indépendant. Il est indépendant de quoi? Je vais y arriver, Nathalie Sayoke. Delis et Sanga n'est pas un modèle. Il n'est même pas digne tout en Congo. Il n'a pas mis de l'église sur sa émission. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Yokabas Télévision. Bienvenue dans votre émission La politique de l'air qui a toujours été présentée par mon nom Davina Kabedi Kabala. La politique de l'air qui est une émission qui vous parle et bas sujet d'actualité en beau cannabiso. Tu as quand même à tout analyser, tout commenter, tout petit bas point de vue na biso et puis tu as ma invité à dingue na dingue. J'ai toujours l'habitude de les dire que ici sur Yokabas Télévision la porte est grandement ouverte na batunyo. Tu as ma batunyo sur la pasteur, politicien, communicateur, donc batunyo sur aux Congolais, aux un point de vue, aux un macanisio pays. Par rapport à ce qui se passe dans les pays, la porte est grandement ouverte. Pour aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ce plateau. Si j'ai actualité à mon collègue, l'autre au Solola Yango, na mon amboka Jeff Badiba, Ozali communicateur, ya IDPS, na ki bon en paix, ça y est, bonjour et bienvenue. Bonjour madame Davina, et très heureux de vous retrouver encore dans votre émission La politique de l'heure. Comment la santé, ça fait longtemps hein? Bon, nous avons eu un peu de dérangement au niveau physique. Gloire à Dieu parce que nous sommes de retour sur Yokabas Télévision. Voilà, de retour sur Yokabas Télévision. Toi qui est normalement qu'on a un sujet d'actualité. La bandi bongo na COP26, la RDC et l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale signe un accord de 500 millions de dollars ce mardi. Commentaire na yo, mon amboka. Merci beaucoup pour la motuna. J'aimerais dire aux gens que tant au Lobaka, chaque fois que la République démocratique du Congo a des potentiels au soki to lingi to sale lango, le Congo deviendra peut-être l'Allemagne de l'Europe. Pourquoi je l'ai dit? Congo toza na ba substance naturelle onzamba pesa biso. Nous avons des minéraux et à part le minéraux, nous avons aussi le feu naturel. Et là qu'on est dit la forêt équatoriale au toza nango, c'est la deuxième forêt dans le monde à part l'Amazonie au ezali na katia Brésil. C'est la forêt équatoriale où ils ont la 4e République démocratique du Congo. Maintenant, le problème, c'était quoi? Le monde aujourd'hui, ils ont dit qu'on a atténué à ce que nous appelons la, le climat. Sur le nous avons des catastrophes naturelles. Mais Pépé, à Makas, ils ont dit qu'on a débordé. Tout ça, c'est dit, il y a exploitation illégale. Ou bien na ba forêt à Mike Mikezaki na ba pays Moussousou, les gens ont utilisé les forêts, il n'y a plus de forêts. Et cela joue sur
le plan climatique. Mmh. Alors, aujourd'hui, le monde est menacé. Mmh. Il n'y a que l'Amazonie, Oezana, Brésil, et la République démocratique du Congo, avec la forêt équatoriale, où est-ce qu'il y a une solution il y a une catastrophe naturelle, où est-ce qu'il y a dans 10 ans, 20 ans. Mmh. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi va trois autres critiquer pourquoi Zali Kosa là bas déplacement et belé belé. Le Gabon a bandé que Ozoa Mbongo na biso oh il fallait que République démocratique du Congo Ozoa yango parce que a batté les forêts wana azali ko exploiter yango te. Parce qu'il faut dire aux Congolais na ba tout au bazola na biso à ce moment que non à partir la forêt wana bato bazo vivre kuna bakoki ko sala bilanga kuna bato wana bakoki okata banzete wana basala makala mais ba pekisi bango ba utiliser forêt wana te pour na intérêt ya monde mobimba. C'est comme ça que Félix Tshisekedi accueilli na Rome na COP 20 pe le lor koloba na COP 26 a yebisi bango boy. On ne peut plus parler de la RDC sans que le Congo soit représenté. Ndenge bino bolobi que notre sale la forêt na bisote pour na intérêt ya monde. Bisopé il faut tous vraiment quelque chose pour bato yo bakolo forêt wana ba sala nini ba se retrouver. C'est comme ça que la République démocratique du Congo a réussi premièrement il y a besoin de 500 millions de dollars pour la forêt wana. Ça c'est la première des choses. Et 500 millions wana c'est juste un premier accord. À part ça, il y a 48 milliards, ça c'est dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Je mets quiconque à défi. Oyoki ba prince pengi ba lobi Tshisekedi ya lekisi ba voyage au lieu à s'occuper na gratuité de l'enseignement ba grève ya ba enseignant au lieu à s'occuper na dossier ya RAM au lieu à s'occuper na insécurité ya est yazo sala ba voyage. Social ya peuple aussi faut pas oublier ça. Mais les social du peuple c'est quoi? Tango a salu déplacement accueilli peut-être na Rome. Et aujourd'hui la RDC bénéficie de 500 millions de dollars. Ils ont un avantage à ba. Pour combien d'années? Pour 5 ans. 5 ans. C'est mais demander. C'est-à-dire, même après ce qui présente Félix, peut-être en élection en 2023, c'est que la personne qui va succéder le président Félix, c'est que. Bénéficiera. Ok. Dans Bongo, il y a un voyage à Félix, tu sais qu'il dit oh, Bango Bazali, qu'on critique les lots. Donc, ça sera 500 millions dans 5 ans, donc 100 millions de dollars chaque année. Ok. Or, Ferdinand Kambera Outio, le bac Félix, tu sais qu'il dit voyage. Mais t'as là. Le régime na bango babandeki ozo juste 20 millions de dollars oyo monde mobimbe bandeki opesa bango pour la forêt na biso oyo bango bazali ko salela pour na intérêt ya monde 20 millions mais aujourd'hui avec Félix Tshisekedi nous bénéficions de 500 millions de dollars mais vous allez voir que ba toi na bazo zo courage ya koya ko critiquer Félix Tshisekedi pour ses voyages aujourd'hui na COP 26 Félix Tshisekedi oblige le monde entier à couper sa RDC 48 milliards de dollars pour la forêt wana. Et tant que Félix a zoé bisaba Congomani au Bazali na Rome, a zoé bisaba ngo d'ici le début de 2022, beaucoup on va retomber à ba voyage na nganyoso. Au moins on va tomber sur ce bazolo ba nous sommes dans, encore en 2021, tu sais qu'elle dit fait des promesses en 2022. C'est par rapport aux autres promesses qui a été dit jusqu'à présent et si qu'elle n'a pas réalisé. Mais tu promesses ni. Félix avait dit gratuité de l'enseignement. Il y a gratuité, oui ou non. Félix avait dit qu'il y aura baisse des produits surgelés. Les loyaux, ceux qui ont cueilli dans la Namibie. Vous allez voir qu'il y a des conteneurs et des conteneurs où l'État congolais a son bipo et il y a dans le Congo et qu'il y a une effectivité de baisse des produits surgelés. Ça va prendre combien de temps? Et aux attentes ou temps ou temps? Donc, ça va prendre combien de temps pour la ECOMA? C'est ça le problème. Il faut demander aux commerçants. Bah commerçant bah qui n'a pas là les gens disent que non les promesses ne se réalisent pas. Non. Ce que les mutuazolo bah les promesses ne se réalisent pas, ce sont les gens de mauvaise foi. Il faut les dire. Ce que tous les commerçants ou à Sala Kaba à Kenaka Osomba bah bilo koni type na Namibie, à qui peut-être na Belgique Osomba bah auto benga Kaba port bah Mipanzi na bilo comme sous. Ça n'arrive pas le même jour. Ça prend du temps, ça prend des jours et des mois. Le gouvernement a décidé d'acheter ces histoires en Namibie. C'est que bien on est beau pour ça la communication, mais parce que c'est vous, Neboer Kabolobi, et te va la bilo qui t'a d'ici autant de jours, d'ici autant de jours.
alors que non il fallait qu'il tose là non le bloc au écho ma malheur malheur mais que bien on voudrait qu'il a coupé cette mission dans ma détail tu vois. Nous vous donnons l'information en temps réel. Si on décide aujourd'hui, on dit il faut qu'il y ait baisse des produits surgelés. Nous en tant que les communicateurs du parti présidentiel, nous devons communiquer. Maintenant il y a la façon de donner l'information. Tant que vous avez que les produits surgelés, il faut équiter. Il faut expliquer aussi les gens que bah salut déjà bah commande. Il y a des images qui sont. C'est ça qui est modé. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Malheureusement, j'ai fait plus qu'un mois sans passer dans les médias parce que j'étais malade. Et aujourd'hui, je reviens pour dire aux Congolais que Babilo, que les conteneurs, ils ont déjà l'icolo et Amaï. D'ici décembre, tout va commencer. Thompson, Soso, Mipanzi, et Kokita, les Congolais, Kolia, Nenga, Lingi, selon la vision Oyo. Quand nous étions, tu sais que d'attiquer la bise, il y a le peuple d'abord. C'est comme ça que nous devons communiquer. Aujourd'hui, Félix, tu sais que d'y a dit. Parce que tu as dit non, les promesses non réalisées. Okay. Je viens de vous citer la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement est combattue qui par l'église. Il y a créé tas de problèmes. Oh, gratuité, on est mis ici, yo, quand maman a mon bébé. Exactement. Ma camboine est dimi, ouais. Et pas bâton, on va bénéficier de la prise en charge à l'éducation, il n'y a pas de parents. Est-ce qu'il y a des parents qui ont été foutus là-bas? École Boboto, moi, j'ai foutu 1 000 $. Et dans 1 000 $, il y a 1 000 $, on a un certain prêtre qui a 5 $ à chaque enfant. Est-ce que vous le saviez? Et tant que Félix décrète la gratuité de l'enseignement plutôt, est-ce que Mouton a 5 $ par élève à OCP, la gratuité de l'enseignement? Aujourd'hui, bazoye bisoyo que le tar récupère ses écoles mais bisoto tikala na babatima. Banani bazolo baba discours wana. Voilà les problèmes que la gratuité a cherché. Mais et pas ba parents. La gratuité est mukié loko mon côté parce que parents wabande que zo 1 000 $. Azo foute la mwana na école neti bobote. Aujourd'hui, l'enfant étudie gratuitement et les 1 000 $ ils ont son papa, à ça la moi épargne naïe. Pour lobby, ce qui moi n'a pas assis ses classes, à coquille, ça les laïmo entreprise à créer les entreprises, ou soit tes posunga bana moussou, ou baza déjà na université, quoi foutre la bango, ma frère. Mais en quoi la gratuité de l'enseignement crée des problèmes? Vous avez suivi les enseignants des églises catholiques de Lubumbashi, ou le lobby bango bazali na mode ya. Grève sauvage, on a un zobenga sauvage décrété par franchement quoi ils allaient dirigé par de l'ancien Choli. Bango babo yango balobi le mardi, il y a la rentrée effective, il y a la rentrée scolaire effective au niveau de Lubumbashi. Aujourd'hui, ceux qui ont qu'un Mbujimayi, Église catholique diocèse de Mbujimayi et s'est désolidarisé n'a de l'ancien Choli et Marcel Lutembi. Donc, ce sont les deux personnes, et voire même Fridolin et Mbongo. Bango ne va créer problème parce que Bazali qu'on s'est retrouvé. Mbongo le Bango va bander qui osoa na prise en charge, il y a éducation y a bana par le parent. Bango va zoomer Mbongo le soucier. Et c'est comme ça que Bazali qu'on combattre la gratuité de l'enseignement pour les parents Bazongo la osoa prise en charge y a bana na Mbongo. Et comme ça, chaque personne peut bénéficier de 5 $ par élève. Et comme ça. Bah au bando bota na kuku nenge ba bota kana kuku et bazoko sa ba kongomani ke non ba prêtre ba bota kate et ils envoient leurs enfants en Europe. C'est ça le problème de la gratuité et voilà pourquoi bazolo ba aussi Félix Tshisekedi c'est l'homme à abattre. Il faut atika pouvoir en 2023 pour bazonge la COP na bango il y a enseignement yango to lobi boye toutes ces écoles là la loi bakajika dit ceci les sols et les sous-sols ezaya l'état. Ce qui donne à la lobby, que l'État récupère ses écoles et que le bâtiment église catholique à Zongo. Est-ce que donne à la coquille qui s'abisse le terrain au Batongawana, basson bangwe pané. Parce que le bâtiment wana Batongawana sur les sols congolais. Si et les sols appartiennent à l'État congolais. Si je vous comprends bien, vous voulez dire que non, alors même le bâtiment pèse à l'État. Effectivement. Et même les paroisses de l'église catholique, Batongawana n'a terrain à ce qui te l'indique, c'est que tu es la logique. Moi, je ne sais pas si les paroles sont payées, l'État qui récupère dans ma paroisse. Est-ce que vous avez dit que Mobutu a un cardinal, un ancien cardinal de l'église catholique, a Botolié, le commis ministère de la jeunesse, Pembeni à Tata Raphaël? Et ça, c'est un cardinal, non? Mais pourquoi ba Botolé est commis à l'État? Il n'y a pas de terrain.
Ce qui est l'église, c'est quoi l'an de la Bible, quoi, mbo, kandenge, zali. L'église catholique n'aura rien. À son bate, bakabela, et kaka concession, yo tonga, awa, c'est tout. À son bate, le côté. Et la gratuité de l'enseignement pour JT n'a plus provoqué de problème. Ils ont un individu, ou un moni qui a intérêt à l'enseignement, ils ont menacé, ils ont un moni qui a offert de la gratuité de l'enseignement, un problème. Voilà, te mettre fin par là, j'espère qu'il y a toujours actualité de Rozon, il y a un sujet dans ma prochaine émission. Deuxième sujet, l'homme des cachots, Maurice Katumbi, retourne de nouveau à Kinshasa cette semaine. Moi, je me suis toujours dit, dans le conseil à Moïse Katumbi, Omoni, c'est un président d'un club de football, c'est un ancien commerçant, il peut exceller dans ça. Donc, à continuer, bon. Du parce coup, vous conseillez Moïse Katumbi à la politique. Oui. Un homme politique, c'est quelqu'un qui s'assume. Je te donne l'exemple de Dr. Étienne Tshisekedi. S'il dit non, ça reste non. S'il dit oui, ça reste non. Mais ce n'est pas le cas avec Moïse Katumbi. Katumbi a menacé le président de la République. Osa Mopanzi Sambouyemi. A menacé le président à lobby, ce qui président a signé qu'à ordonnance ou économie de Nika Dima. Yé à Olongwa, na union sacrée. A sali communiqué. A tindé le président. A Zuyango a publié les sous sur les réseaux sociaux. Katumbi a quitté Lubumbashi. Bisika ya fanak. Ayen a Kinshasa disant qu'il y a zoya consultation. Et après consultation, pour rendre position officielle, il y a ensemble. Ce qui va côté Kalana, Union Sacrée, Toba Kolongwa, na katia Union Sacrée. Katumbi arrive le vendredi la nuit. Samedi a convoqué consultation. Aucun député a kende ko répondre à l'invitation. Aucun député. Parce qu'il faut dire la vérité. Ensemble, Azalakanaba député. Le parti Ensemble est créé après les élections de 2018. Bah député au Katumbi a bête à Katolo qui a 70 députés nationaux. Bazaba est député Ensemble. Bazaba est député à G7 na MS. Alors, bah député wana batali ba moni que Katumbi a commis oyé la bango ba technique na ye ya commerce ou abandé que ça na commerce. Yango ba ebisiye, soki omeki kaka kolongwa na union sacré bisonde to kolongola yo na kati ya parti politique et Ensemble. Madame, est-ce que yebi ke Ensemble eza fusion ya ba parti politique ebele? Mutuneti Claudel Lubaya azui parti politique na ye ati na kati. Mutuneti Christophe Lutundula o aza lelo ministre des affaires étrangères azui parti politique na ye ati na kati. Ozu mutuneti Delice Essanga, azu parti politique na ye atien na kati. Ba twana ba sangani nde ba créer parti politique Ensemble. Siko yo bona ba intérêt na yo. O ya siko yo ko mema ba tunyo so wana o ba tie ba parti politique na yo Ensemble, po ba ko sa de la intérêt na yo moko. Ya mo ba lobino. So ki o lingi ko yo ka biso te. Candidat ya Ensemble o azana kati ya biwa seni. Bisonde to tindakiye. Mais ndenge yo moni keza intérêt na yo te o lingyo sa de la intérêt na yo. So ki o lingyo longwana, union sacré, longwa yo moko, pe biso to ko expulse yo. Na katia Ensemble. C'est comme ça que Katumbi est rentré à l'Union. L'annonce est toujours attendue. Là, l'annonce était qu'il y a longwa union sacré. Mais, yamo na ebisyo, il faut atika politique. Aloba ki azoya Kinshasa après consultation à Salani. A ko rendre position officielle. Aye Kinshasa, a moni ke. Ah ouais, ils ont bilinga bilinga à Zongi Lubumbashi. Oh, il va continuer consultation dans Lubumbashi. Yebisanga dans Lubumbashi, Azalaka na partenaire ni Nyamakasi dans Lubumbashi Ensemble. Et pourquoi abandonner consultation dans Lubumbashi? Parce qu'il est bizika fanda. Mais pourquoi il n'a pas commencé les consultations? Mais tout se retrouve, ici. Mais après avoir venu ici, pourquoi Zongi Lubumbashi a pu continuer consultation comme? C'est parce qu'il a vu la réalité en face. Baoutio yambaye pa maika mère. Le problème de Katumbi c'est quoi? Katumbi cherche ma pesaye poste ya vice-primatire ya seni. Nelo ko Katumbi azoluka yangwana. Ya goika dimate. Azoluka ba kabela ye ka poste wana ye pe azokuna. C'est ça le problème. Alors ndenga moni ke ba pesiye poste wana te
à comme yo lukasiko yo a créé moi des ordres mon kobo. Alors ils viennent yo so oh bah kende zonga yo so oh ils ont des points à poste. Ils ont des points à poste il y a vice président il y a CM. Kozo manaye na weekend il y a semaine au tozanango. Ils ont été que non continue à continuer consultation. Je vous dis à côté ici déjà audience na ya kuta na chef de l'État et comme le président de la République azozonga na Kinshasa mercredi oyo ya moi ya azozonga na weekend pour baya kokuta na asenga bolimbisi parce que audience asenga bolimbisi je l'ai dit il a manqué le respect au président de la République bayamba ki le weekend tango bengisi ba député na ye oya zo benga ensemble ba yete Bayambi et pas Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est bissier. En politique, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas écrire au chef de l'État et prendre le communiqué, la lettre écrite au chef de l'État ou rendre un mot public sur les réseaux sociaux. C'est un manquement grave. Maïka Mera est bissier. Les problèmes de la CENI, ils ont un problème à la confession religieuse. Les 6 confessions religieuses ont porté leur choix sur Denis Kadima. Et les 2 autres babouis. Et qu'est-ce que Moïse Katumbi devrait faire? C'est de trouver, d'abord, au sein de l'Union Sacrée, parce qu'il y a des membres de l'Union Sacrée, c'est de trouver d'abord le consensus au sein de l'Union Sacrée. Avant, il y a Kobi Misanano, ma parole, il y a ça de l'Union Sacrée. Mais il y a aussi Yébissi, déjà chef de l'État, que ceux qui ont signé l'ordonnance n'ont pas quitté l'Union Sacrée. Maintenant, pourquoi tu veux les rencontrer? Voilà pourquoi tu sais qu'il y a Yébissi, tu n'as Rome. Alors, il y a un professeur, ceux qui ont fait ça dans la cour. Attends, ceux qui ont fait comprendre, le professeur a oublié le matin. A oublié sa caca avec condiment. Que non, attends, le biba n'a pas comprendre. Voilà. Donc, trahison au Katumbi à Salaki na Genève. Et te ibangote. Les autres, tu sais qu'il y a Pessi Bango. Et te ibangote. Malgré trahison à Salaki na Genève, tu sais qu'il y a parti seul, accompagné par Vital Kamel. Et à la fin, qui avait gagné les élections entre Bemba Katumbi, Fayulu, Matungulu et Adolphe Muzik. Tshisekedi et Kamere, qui avait gagné les élections? C'est Fayulu bien c'est Tshisekedi. Il y a un mot de sous complot où Katumbi bazo salali. Je pense bato bazo landabiso, peyope mo pasisamo tuyo au courant ya coalition à Sikao et Zosalima entre la Mouka, FCC et voire même Moïse Katumbi. Bloc patriotique. Bloc patriotique. Bloc patriotique. En quoi c'est bloqué patriotique? Est-ce qu'il y a l'amour du patrie là-dedans? Bloc patriotique qui fait peur à l'IDPS. Qui fait parler l'IDPS. Ça nous fait parler parce que Makambo Bissotoloba avant, il y a un des autres qui savent. Moi j'ai toujours dit, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, il y aura un bloc des expatriés. Il y a un bloc patriotique. Ils ont bloqué avec expatrié. Le gens qui n'aiment pas le Congo. Est-ce que tu sais que Bangona Bangona Mboutou Mboutou écoute? Réunion ba outio sala dimanche. Selon ma source de qui a mon bon mot. Yo y a dit que va destituer Raymond Chiban. Kaka na katia FCC na Bangona Bangona. Baoba komi olo bate Raymond Tshibanda lingia tinda ba ka membre na biso na seni donc biso to désavouer kotoyo Fayulu na muzito bazoyo kanate pourquoi parce que Fayulu a isolé ye tango akenda ki kozwa 1 million de dollars et pas Kabila kotoyo église catholique le binonga na marche le 6 novembre na ozala bisusté Filimbi na ba mouvement citoyen mususu ba lobi ndenge la muka ba ke kosangana na FCC biso to za bisusté na marche le 6. Alors, ils ont front patriotique, Nani. L'amour du pays, ils ont. Parce qu'il faut lui retirer 1 million de dollars. 1 million, il y a à retirer, on n'est pas Kabila. Est-ce qu'ils ont pour la patrie? Ils ont pour le peuple? Tu es pour la Yemoko? Et puis, mon thème, ma bête, ils ont recruté des Fazer. Ils ont recruté Bachegui. Ils ont recruté Bageno et Bazo Sala Sport. Ils ont payé Bango, ils ont promettre Bango 10 000 francs à chacun. Bah, quand on a une avance à 5 000 et ceux qui ont eu marche, bah, bah, c'est lui aux 5 000 moussous. Et puis, bah, cibler par station d'essence pour bah, tomber, et ça, la maman a dégâts dans la ville à Kinshasa.
Si le bloc on est allé patriotique là. On a nous on a est allé. Est-ce que Zapo n'a pas marché le 6 novembre? Il y a le 6 novembre et je vois en plaire tous les. Mais c'est ça, bête. Alors patriotique ou bazo benga patriotique? Est-ce qu'il y a l'amour du patriotique? Il cible les stations de service. Pour la copée, ça marche dans Bango en plein. Si Koyoka, pourquoi ils veulent faire tout ça? Leur problème, c'est quoi? Tant que je vais recruter ou à Koutumba, la station de service, parce que vous avez dénoncé la communicateur à IDPS, le lenge ou à la station de service. Et comme à chaque carrefour, à la station de service. À chaque avenue, station de service, il y a un sens. Le jour où la station Moko est aux moto, nous aurons des dégâts matériels graves dans la ville de Kinshasa. Mais si vous avez ciblé la station, vous n'avez pas de bâtiment, Kinshasa est aux moto. Imaginez, tout le monde est sur le plan politique. Tout le monde est aux moto. Ce qui est la station d'essence est aux moto. Périmètre est aux moto. Vous avez une moto à essence, vous avez ça. Oyebi combien de bateaux va perdre ma pango na bango ba ndaku na bango oyebi combien de bateaux va perdre ba matériel d'or ba marchandise peut-être soki ba moi boutique ba magasin ezalaki na périmètre wana tu sais combien de véhicules ezalaki na passage na périmètre wana ozika tu sais combien de dégâts humains bateaux ba ozana périmètre wana ba kokufa ba msusu pe ba ozika na moto wana est-ce que ces fonds là peut-être patriotique to longola na ma immatériel politique. Est-ce que ces fonds-là peuvent être appelés patriotiques? Pour vous, ces fonds-là peuvent être quoi? Ils allient coalition à expatriés. Oh, le baya qui n'a pas de souci à Koiba, les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Et comme ils ont vu qu'aujourd'hui nous avons un Congolais des pères et des mères, un Congolais qui a une vision pour le Congo, un Congolais qui veut redonner la vraie image du Congo. Congolais oyo azali ko bloquer ma douceur dans mon bande qui oyiba, c'est comme ça qu'ils ont fait leur bloc des expatriés, leur bloc des ennemis du peuple congolais pour na ko bengana Félix Tshisekedi. Et je n'ai pas fini. Et tant que bazo ça la babilo ko na tant que ba dégawane ko salima. Et comme ça la communauté internationale et oloba oh donc population congolaise et boyi de Nikadima. Alors ils vont demander à Félix Tshisekedi à Salanini à retirer signature na ordonnance et nomaki de Nikadima. Et comme ça bah qu'il y a système il y a dialogue. Bango pe ba kota na gouvernement. Oza mona sikoyo ma bena bango. O bazo yemba ko. Na ba yemba peuple te. Bazo lukalibumu na bango. Et comme ça ta Félix a ko retirer signature. Ba koya na dialogue. Et tant ba ko solo na dialogue, fayula o kota na gouvernement. Bah FCC va aux ongles la paix ma solo et comme ça élection qu'on a en 2023 qu'on commence qu'on a 2025 pour na intérêt na bango moko. Voilà, restons seulement sur les Congo Italie marche on est les 6 de mon IP honorable Ngoïka sans le projeter une marche de soutien au nouveau bureau de la CENI pour le 6 novembre prochain. Est-ce que l'honorable Ngoïka sans ça pourquoi tu causes la dé marche il y a bloc patriotique et les canaux vous voyez peut attirer d'être nous surtout peut qu'avoir d'être on a des signes là qui peut soutenir marche des soutiens au nouveau bureau de la CENI. Bien, nous à l'IDPS Ngoïka sans je n'ai pas de l'IDPS mais c'est un citoyen congolais qui a droit de manifester parce que le droit de manifester garanti par la constitution, ça c'est un, il faut le dire. Ce qui bloc des expatriés, bah, le bi, bah, que ça, la marche les 6. Ngoïka, sans j'entends que Congolais, à le bi, pe, ki, il faut soutenir le nouveau bureau de la CENI les 6. Moi, je ne vois pas les mal. C'est à l'hôtel de ville de les départager. Je savais que non, yo, au moins, on a les mal de parce que. Et ça contre tout peu bino boro c'est bien la dina marche on est le 6 novembre il y a bloc patriotique il y a on aura d'accord non madame Dabina, je dois être clair je suis pas contre la marche du 6 marche on est le 6 tu es d'accord je suis d'accord j'étais je vous ai dit ici la constitution garantit le droit de manifester je suis totalement d'accord va manifester c'est leur droit c'est le droit constitutionnel mais si Ngoïka ça j'estime ça dérange. Moi je dis ça dérange pourquoi parce qu'il y a les sorties médiatiques à chaque fois ça dérange marche à l'essai on a beaucoup le délai voilà ceci voilà c'est là. C'est pourquoi on est d'accord na Ngoïka sans aller banaro ça la peu marche na à soutien kaka mukomo moi mon problème est à kaka date on a pourquoi voilà j'aimerais éclairer maintenant
l'opinion, les internautes et les téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Nous ne sommes pas contre la marche du 6 novembre du bloc des expatriés. Non, ce n'est pas un bloc patriotique. Ce n'est pas un bloc patriotique. C'est un bloc des expatriés, un bloc des ennemis du peuple congolais, les blocs des ennemis du Congo. Ils peuvent manifester. C'est bien. Mais la manifestation doit être paisible. On doit manifester dans la paix et dans le respect des biens publics. Mais tant que vous avez visé ma station de service, parce qu'il perd tout. C'est ce que nous dénonçons. Et ça, c'est que tout ça contre la marche. Il y a police. Et si la police est à intervenir à Betty Bagaz lacrymogène, on m'a doigté partout. Et au coma des sources qu'il y a eu violence et que la police n'est pas professionnelle. Mais nous, nous dénonçons ce qui est mal. Et même Moïka Sangiso qui a osé la marche, on a eu le 6. Tout le monde m'a bêté. Mais ceux qui n'ont pas utilisé la même méthode, attaque contre les biens publics, t'as condamné Kakayamo. Marche à Bango, à bloc, à expatrié, à l'OMINI. Marche pour exiger dépolitisation à CENI. Mais n'a cessé, Bazo, ça là-bas, plan. Dimanche, Bazala qui n'a concession à Katumba, moi qui n'a Sosimat. C'est là où, et ça, au moins, il y a eu un peu de temps, ceux qui n'ont pas mis la main, ils n'ont pas mis Nani, Krokodil, Azo, Bela, Katia, Maï, Pona. Est-ce que vous chatez? Parce que Bissot, il y a eu un peu de temps, vivre à Kanamaï. Le mouvement citoyen au Bazala qui est en réunion, t'as là le plan qu'ils sont en train de planifier. C'est ce que nous nous dénonçons. La marche, elle est pacifique. Parce que Bissonam, lui, dépestant aux Akina opposition, tu vas dire que ça la marche. Mais tu vas dire qu'on dénonçait la répression de marche par le régime qui était en place. Mais Bisson, bah, où tu as ça la marche hein? Ou bah, au Longwa qui n'a rompoint Gaba, bah, y'a Kiti, n'a Koïdo. Qui les avait inquiétés? Personne. Mais ceux qui m'ont commis pour le cas, c'est que je suis un peu plus de temps. Est-ce que vous avez dit que la marche est un peu plus de temps? Je retourne à Bango, je suis un peu plus de temps. Vous avez dit que la place est un peu plus de temps, il y a des personnes qui sont vandalisées. Est-ce que ça, c'est une marche pacifique? C'est ce que nous nous dénonçons. Que Ngoïka s'organise la marche, c'est son droit. Le problème revient maintenant à l'hôtel de ville. Parce que c'est l'autorité habilitée à co-autoriser la marche. Ceux qui ont dit que la marche a laissé ça co-autoriser, il y a Mouka, il y a Lamouka, il y a Bloc, il y a Expatrié, il y a Ngoïka Sanjou. C'est à l'autorité de ville de décider. Nous, l'UDPS, nous sommes un pays, un parti plutôt, qui a lutté pour la démocratie. Et la démocratie oblige qu'il y ait des manifestations publiques. Tobo y marche, il n'a pas voté, basala yango, mais dans le respect des biens publics et dans la paix, dans la quiétude, pas troubler l'ordre public. C'est ce que nous nous demandons. Mais nous dénonçons la technique n'a pas macabre au basali kosala pour déstabiliser le régime en place et aussi qu'on y ait un peu de. C'est ce que nous nous dénonçons. Voilà, très bien dit mon avocatif, par rapport à l'Union sacrée, déclaration à l'Élysée Sangalobi, je suis quelqu'un qui a pris la liberté par rapport à l'Union sacrée. On s'écarte de plus en plus de cette recherche du consensus. Je vais cesser d'appartenir à l'Union sacrée, je quitte l'Union sacrée. On doit dire à l'honorable, on doit le féliciter pour être un homme d'État ou on doit, je ne sais pas, on doit comment dire, Nayo, voilà. C'est des récrés. Hein. Moi, j'ai des récrés. Combien de fois il doit quitter l'Union sacrée? Lui, il dit, c'est ça. Au habitant Martin Fayoulou, à la marche Naya Liboso et Salim Maté. Hier, à l'on voit déjà l'Union sacrée. À l'obin accueilli qu'au salle, bloc patriotique, pototé les mêlas, élection et nani glissement en 2023. Depuis le mois de juillet.
j'ai la déclaration. Oh, de lui, c'est sans galoba, à l'ombre, il y a un sacré, à qui on s'est relié dans Martin Fayou. Oh, oui, depuis le 7e mois. Déclaration. Oh, bon, il y a si à l'ombre qui déploie depuis le mois de juillet. Si quoi, ça, l'ombre du sous, c'est le long mois de novembre, Nenny. Point d'interrogation, bah, au bas, on a dit ça, bah, là, homme politique, yo, ou tu benga, un homme d'État. Yo, si à l'ombre qui. Il est indépendant. Il est indépendant de quoi? Je vais y arriver, Nathalie Sayoke. Deli Sesanga n'est pas un modèle. Il n'est même pas digne tout le temps de Congo. Il n'y a pas de médias qui sont à l'émission. Est-ce que vous avez dit que Deli Sesanga a déjà union sacrée depuis le mois de juin? Mais le loisir, j'ai pris mon indépendance. Comme sous le l'état officiel. Bon, où est-ce que j'ai dit? Parce qu'il y a un loisir officiellement. Il y a un loisir. Il y a déjà qui a une union sacrée. Et puis, depuis, c'est ça que je veux dire. Il y a trahi ça, Zahid Ngoma. Pour toi. Alors, il y a parti à Zahid Ngoma, il n'y a pas Jean-Pierre Bemba. Alors, il n'y a pas Jean-Pierre Bemba, il n'y a pas Katumbi. Ensemble, il y a un peu de la Mouka, il y a un soutenir la candidature de Martin Fayoulou dans l'élection de 2018. Imaginez, il y a un soutenir Martin Fayoulou. Il y a un la campagne de Louisa en 2018. Au lieu de faire la Martin Fayoulou campagne, à qui a boit ici Katumbi na Fayoulou, ensemble avec Claude Lubaya, Baké na Louise va battre campagne pour Félix Tshisekedi. Délice c'est ça on a. La transhumance politique. Azali exemple. Ce n'est pas un exemple à suivre. Il n'est même pas digne de citer ce nom. Le nom là n'est pas digne de le citer. Délice c'est ça. C'est un vagabond politique. Na où tu as dit que Alongo n'est pas Zaïdi, à qui n'est pas Jean-Pierre Bemba. À trahir Jean-Pierre Bemba, à qui n'est pas Katumbi. Et au moment des élections, il y a à battre campagne pour Martin Fayoulou. Il y a Katumbi qui a soutenir, il y a à battre campagne pour Félix Tshisekedi, dans Luisa, dans le territoire à Luisa. Aïe à côté de l'Union Sacrée. Au mois de juillet à l'Obino, je quitte l'Union Sacrée, na qui se rallié à Martin Fayoulou pour télémer l'agrissement en 2023. Et aujourd'hui, je quitte encore l'Union Sacrée. Mais il faut quitter l'Union Sacrée. 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 Il faut quitter après 5 minutes, na zongeli lisusu na tsali déclaration du banda place na zaki non, je quitte encore le plateau. Est-ce que na zala ki lisusu wana? Non, c'est un vagabond politique. C'est quelqu'un qui n'a pas. Azana Mouala au pays, ça va tout. Bref, pour toi, Deli, c'est ça, Azali, exemple. Ce n'est pas un exemple. Et il n'est même pas digne de citer son nom. Voilà, très bien dit, mon nom, Kadef Badi Banga. Mais si je me souviens, et touché Ming, et puis Kuna, il a passé prorogation de l'état des sièges. À l'Assemblée nationale, bah, députés nationaux, il y a Itour et Pénard qui voudraient fâcher contre le propos de Jean-Marc Kabound. Je me demande, Nambo Kanaviso, le ridicule n'est-il plus? Nambo Kakongo, le ridicule n'est-il plus? Nakanisa qui peut-être retourne en pourquoi je l'ai dit. Nous avons les sécurités à l'Est. Nous avons nos frères qui sont tués. Chaque jour, c'est des vies humaines que nous sommes en train de perdre. Le président de la République pense qu'avec l'état de siège, nous pouvons arriver à stopper cette hémorragie. Nous pouvons arriver à stopper cette insécurité qui se vit à l'Est. Il décrète l'état de siège. Il nomme des gouverneurs militaires. Il nomme les autorités militaires. Nous passons au pouvoir civil. Tout le monde a le 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 pouvoir militaire. Tout ça dans l'intérêt que nous avons. Tout le monde a le pouvoir civil. Qu'on trouve la solution. Si vous avez un député à Ituri, un député à Nord-Kivu, au nombre de 56, il faut battre la prorogation de l'état de siège. 11e prorogation. 11e. Madame, nous sommes des intellectuels.
tous se poser bah, tous ensemble avec ceux qui nous suivent. Nous donnons la solution à un problème. Yo estimé que notre solution au topesi est qu'on résoudre les cambou t. Au lobby que non, nous devons abandonner la solution donnée pour ils ont résoudre les cambou t. Mais tu ne proposes rien. Qu'est-ce que tu veux? Que les problèmes persistent, non? Tous ont la sikoyo, tout remplacer X par Savanier. Le chef de l'État pense qu'avec l'état de siège, nous pouvons arriver à éradiquer l'insécurité à l'Est. Bah, député, on a dit qu'avec l'état de siège, l'insécurité est aussi la tête, tout le monde a l'état de siège. Entre temps, Bazo paie sa solution, il y a aussi sa insécurité à l'Est. Donc, Bazo Lukanini. Rose Mutombo souhaite la mise en place d'un cadre des concertations avec des députés avant de solliciter une prochaine prorogation de l'état de siège. Mais Rose Mutombo Azali, ministre de la Justice. Je vais y arriver. Ils ont ma cambouébelle. Mais moi, ce qu'on va dire, c'est qu'il a jamais marqué Kaboum. Alors qu'il a jamais marqué clair. Ceux qui ont un état de siège, vous pouvez servir sur solution. Oh, le binôme a député. Il y a un tour qui vous a besoin de Yango. Pour tout ça, il y a un tour qui vous a besoin de sécurité. Il y a un tour qui vous a besoin de sécurité. Si vous avez un de siège, vous pouvez continuer quand vous avez un tour. C'est ça leur idée. En quoi l'état de siège vous gêne? Vous gêne? Ça vous gêne en quoi? Parce que nous avons des rapports. Vous avez des rapports où tu as des mois d'août. 68% de la population est en train de se faire. Dans les soldats, dans les soldats, dans l'Est, ils sont détournés. Sur 100%, 68% ils sont détournés. C'est détourné par qui? Par les généraux qui sont ici à Kinshasa. Mais pourquoi ces généraux-là ne sont pas interpellés par le ministre de Défense? C'est ce que Jean-Marc a dit. Et pourquoi se fâcher contre celui Oazali ko défendre l'intérêt général? Oazali ko luka insécurité wana ici là. Si Jean-Marc a lobby, en quoi l'état de siège vous gêne? Est-ce que saviez-vous que le député national, est-ce que Olanda qui ba propos ya président Assemblée nationale, o asenga ba député wana ba longo na ba groupe Olanda qui a mon bisonyo so. Et aujourd'hui on commence à donner à Mbosso la raison. Et aujourd'hui, on donne la raison à Jean-Marc Kaboune. Plusieurs rapports, ils ont talisaké, bah, députés nationaux, bah, ils allaient impliquer. Na insécurité, ils allaient na est. Il y a un mot à la base au Luka, bah, l'ongola état de siège. Pourquoi? Parce que l'état de siège, ils allaient na Maboko. Le député Gracien Alobi était à propos, Jean-Marc ne sont pas loin d'une injure et manque de respect aux élites du peuple. En quoi le propos de Jean-Marc Kaboune est-il injure vis-à-vis respect dans la élite du peuple? Mais ce député là ils ont manqué dans le peuple le respect. Comment na où tu fais cet exemple clairement madame? Bon, na longola non en conteste. Nga na zananza. Chaque jour na zola la nanza. Yo yebisi nga no ndeko Jeff nga na obando pesa yo lipa. Chaque jour, on lit par 200, on a moins de 100 francs. Na moni mbala moko de kwari sa yi a yi bisingate. Li pazo pe sa yi a 200, na moins de 100 francs wana. Et aussi, li sans ala na yote. C'est vrai à l'obi vérité. Azo yi bisanga na boya li pa na yon na mwamba. Po yi aussi, li sans ala na ngate. Mais na tika la kaka bongo. Si ko yo, na nan zala na li pa 200, na mwamba. Na na tika la kaka bongo sans koli ata yi loko mokote. Ni neza malam. Et ceux qui m'ont lobby bongo, est-ce que c'est une injure? Ou bien c'est un manque de respect? Ou bien bangonde bazo manque de respect na population ezali na posa nécessité ya insécurité wana ici. Population ezana pas si. Population ezana pas si. Chaque fois il y a bon, j'ai vu une vidéo moi na moi si à 18 mois plus tôt. Bébé à 18 mois violé par un adulte. Babiloko wana totika tolongo la état des sièges. Bango bas gracien de Saint Nicolas. Mais quelle est la piste de solution au bas député n'a pas repéré ça? Bah pèse le côté. Bah pèse, c'est ça, c'est ce que Jean-Marc leur a demandé. Piste de solution ni nous vous allez copier ça bisou. Ceux qui le lot au lobby, les chefs de l'État lobby, n'a eu que libino bas député, n'a longo l'état des sièges. Si qu'on piste de solution ni nous bas député n'a pas pèse pour insécurité ici, rien du tout.
likambweza wana te likambweza ke ba longola état de siège parce que na état de siège balobi soki ba yoki que yo député tel oza na territoire wana et que tu es cité parmi bato bazali ko soutenir insécurité wana on t'arrête immédiatement sans côté la makambo ba immunité yango bazobanga bas gracien de saint nicolas wana bakendaka les sous ba iturina nord qui vite poigné parce que ba yebi que so ba komi kuna ba okanga bango yango ba fandi na Kinshasa bazoba ta masu immunité parlementaire mais ba kendaka pe na babasi na bango cette insécurité a fait plus de 3 décennies est-ce que c'est dans 11 mois ou bien dans 3 mois qu'on doit finir avec l'insécurité cette insécurité qui est commanditée par le multinational par des industries pharmaceutiques est-ce que c'est dans 4 mois qu'on doit éradiquer cela ba député wana bazali ko manquer au respect vis-à-vis du peuple et ce n'est pas Jean-Marc Kabound qui les a manqué de respect et moi j'encourage Jean-Marc Kabound à continuer comme ça et je demande au ministre de la justice et au ministre de défense d'arrêter tous les généraux qui ont détourné les fonds alloués na ba soda na mapinga au bazali na est pour ba éradiquer ba ADF ba Kodeko ba tout bazo bunda bazola lanzala bino bozo détourner bambongo na bango omoni c'est pour cela na zoloba tolingani te c'est ça yango na zoloba na élection 2023 bo voter ba parlementaire de boba zala ba député je crois mais ça pourquoi je l'ai dit député olia lobela bato bazo détourner mbongo ba soda o bazo bunda na est pour basil sa insécurité bazo lia mbongo na bango mais bango bazo luka basil sa état de siège ba kata état de siège il kambo état de siège ici mais musala député zali a kolobela peuple si ko peuple ni bango bazo lobi ba kongomani bande konanga bazana beni bazana goma bolanda boyebake bato bo vota bazali ko défendre intérêt na binoté bazo lukande ba intérêt propre na bango c'est ce que je peux dire nous encourageons le bureau de l'Assemblée nationale à continuer na ligné wana ils ont le soutien de la population congolaise tozali sima na bango pour soutenir bango et que mboka na biso ekende liboso. Voilà, très bien dit, communicateur DF Balibanga. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre analyse. Il y a émission à Bissot, il y a Mokolo et Lilo. Je ne sais pas, c'est que je n'ai pas pu demander message avec Inamo pour Nabaïmbo de partout au Balandara Bissot, de partout dans le monde entier. Le message pour conclure, je peux dire aux Congolais qui nous suivent partout Bao Bazali Banda Mboka, Bao Bazana Katia Mboka, nous devons nous unir. Nous devons nous unir derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui que nous avons actuellement comme le président de la République. Tout soutenir lié. Na maïma soazali kosala. Bao bazolo ba ce voyage ne rapporte absolument rien à la République démocratique du Congo. C'est de la haine. Bato ba détruire mboka na biso. Ba monde le ba komi ko mi pesa comme des donneurs de leçons. Mais je ne sais pas, Ferdinand Kabere peut donner quelle leçon aux Congolais. Bato ba bomi République démocratique du Congo. Les gens qui ont tué la jeunesse. Bato ba tika la jeunesse na biso Paris Foot na winner comme société. Ba jeune ebele ba tika la ka na kobeta Paris Foot à 300. Ba kei ko tonda na ba salle de sport. Na basala ba jewan ne musala kabila tikela biso atikeli biso ba kuluna bano batangate par pourquoi parce que na boboto frais scolaire ya $1000 batangate ba koma ba kuluna mais Félix Tshisekedi ya ya lobi malgré kabila bebi sibino moi je vous récupère bokende na kanyama kasese batalisa bino lolenge nini ya kosala misala maboko et aujourd'hui tozolia masangu o bande koyo to bande ki obanga kala lelo ba komi til basale libiso masangu o tozolia lelo na 18000 francs mutu wana nde bango ba monike yazali mabefo ko combattre ye po longo ba benga ye dictateur bazo benga ye dictateur en quoi tu sais que des dictateurs point d'interrogation bango nde ba yibi mais to soutenir ye toza la simanaye aujourd'hui RDC a boutio bénéficier ko bénéficier $500 millions et lobby va co-signer partenariat plutôt il y a $48 milliards dans 10 ans pour la République démocratique du Congo et tout ça c'est au bénéfice du peuple congolais et tout ça c'est pour réaliser la politique de l'UDPS qui est le peuple d'abord
Donc Fati azali mwana mboka azali makila na biso azali yaya na biso azali leki na biso azali mwana na biso azali tata na biso pe azali koko na biso nous avons l'intérêt de les soutenir parce que azali mutoyo ba origine na ye toyeba ce qui le lobby maman Davina Tshisekedi a matisiné $10 et commis 300 000 francs congolais. Mm. Il faut na kendo funda pas maman naï. Oye binda kwa maman naï. Mais tous les président monsieur soit oye biata maman naï a zala kawapi. Nda kuna bango izawa pi toye baki angote. Il est notre sang, c'est notre frère. Tout soutenir yé, c'est peut-être le mot de la fin na koki oloba. Tout pe sa yé chance deuxième mandat na 2023 et vous allez voir que la RDC sera l'Allemagne de l'Afrique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est Rezaki Bele, Rezaki Bele, Yarolanda, Yokabas, Télévision, ne vous fatiguez pas. Continuez de partager nos émissions. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Davina Kabedi, retrouvez-moi à la prochaine avec le même plaisir. Et aujourd'hui, je reviens pour dire aux Congolais que Babiloko, les conteneurs, ils ont déjà Nicolo et Amaï. D'ici décembre, Batoubakomona, Batomson, Batsosu, Bami Panzi et Kokita et Congolais à Konya Nenga Lingi, selon la vision Oyo, Kondo et Tien, tu sais que tu as dit que la vision, il y a le peuple et d'abord. Comme le hôtel Une Marche pour les laitistes, mon nom est honorable Moïta sans le projet Une Marche de soutien au nouveau bureau de la CENI pour le 6 novembre prochain. Est-ce que l'honorable Moïta sans le projet qui pose la marche, il y a bloc patriotique et les fanas, vous voyez que à tiens d'être une bien, nous à l'IDFS, Ngoïkas, je n'ai pas de l'IDFS, mais c'est un citoyen congolais qui a droit de manifester parce que le droit de manifester est garanti par la Constitution. Ça, c'est un, il faut le dire. Ce qui bloque des expatriés, le but va la marche des 6. Ngoïkas, j'entends que congolais, à le but qu'il faut soutenir. Le nouveau bureau de la CENI, le 6, moi je ne vois pas les mains. Il est indépendant. Il est indépendant de quoi? Je vais y arriver, Nathalie Sayoke, de l'ICE Sanga n'est pas un modèle. Il n'est même pas digne de Totanga Congo, dans les médias, dans les émissions.